J'ai toujours été nul à chier pour estimer le poids des choses. Ça fait 50 euros, monsieur. Quoi ? Pour un kilo de patates ? Bah j'en veux pas. Bref, aujourd'hui, on va tester notre capacité à trouver le juste poids avec Théo Babac et Mastu. Wouh ! Oh, stop ! Le concept est très simple. On a des cartes juste ici. C'est avec le papier, là. C'est pas des cartes. Aïe ! Derrière ces cartes, il y a des poids. Okay. Différents poids. Donc par exemple, 10 grammes, 100 grammes. Et ça va monter comme ça au fur et à mesure. À chaque fois qu'on va retourner une carte, il y aura un poids qui sera énoncé. Et on va devoir aller chercher quelque chose qui correspond exactement à ce poids. On aura 10 minutes. Quand tu dis poids, c'est des petits poids ? Cette bouteille d'eau, c'est quoi son poids ? 1 litre. Donc on sait qu'elle pèse 1 kilo plus ou moins. Putain, t'as niqué tout mon instrument. Bah excuse-moi, y a pas de souci. Cette bouteille d'eau, vous avez peut-être une bouteille d'eau d'un litre chez vous, ça vous servira de référentiel. Donc prenez-la dans la main comme ça. Mettez-la comme ça et ça fait une queue. On va retourner la première carte. Avec le premier poids. Il faudra aller chercher quelque chose qui correspond à ce poids le plus proche possible. C'est bon, vous êtes prêts ? On est prêts. Ouais. 8 grammes. Ah oui, déjà ? 8 grammes. Ok, à partir de maintenant, on a 10 minutes pour trouver un objet qui fait 8 grammes. D'ailleurs, la règle, on n'a pas le droit d'acheter un truc. Je vais prendre tellement mon temps puisque, regarde, j'ai des bagues. Ça s'enlève pas ? Théo, ça s'enlève pas ? Si, si, ça va s'enlever. Ça, ok, ça va s'enlever. Tu penses que ça fait 8 grammes ou pas ? Ils sont pas en tournage. Y a pas écrit on air au-dessus, donc c'est pas un tournage. Bah non, bah je monte au cinquième, je demande le badge et je vais dans le truc de 550. Y'a personne. Pour moi, c'est entre les deux. C'est bon, je m'assois. T'as déjà fini toi ? Non. Défini. 8 grammes, c'est minuscule. En vrai, c'est possible. C'est super léger en vrai. Je pense qu'on peut être au poids, au juste poids. Je vais prendre une balance pour peser un objet de 8 grammes et je ramène un truc qui fait exactement 8 grammes. Putain, ça se trouve, je suis juste en train de perdre du temps de fou là. Y'a pas de balance dans une cuisine, c'est quoi ça ? Théo est vraiment parti très loin alors que vraiment des objets de 8 grammes, y'en a là. Hein. Je sais pas où il est parti. C'est quoi ça ? C'est du beurre ? Par contre, Théo, il est vraiment parti faire un vlog là. Ouais, là, il fait chier là. Ils sont déjà assis. Ah mais il m'attend depuis tout à l'heure. On t'attend depuis tout à l'heure. Vous avez votre objet ? J'ai mon objet et sachez que j'ai une confiance en moi supérieure à 1000. Je crois que c'est parce qu'il l'a pesé. Tu l'as pesé ? Non. Non ? Toi tu l'as pesé ? Non. Et tu sais pourquoi ? Ça se voit, regarde. C'est quoi, c'est off-white ? Ouais. Ouais. Tu sais, c'est le zip que quand les gens ne connaissent pas, ils disent « Bah t'as pas enlevé l'antivol de ta godasse !» Je suis incapable de savoir ce qui fait 8 grammes là. Moi je pense que je suis genre à 6. Reveal final, Théo. Ok les gars. Oh ! Non ! Ah ! T'es à 7, putain t'es à 1 gramme près. Et toi ? Putain c'est ouf, on est tous méga proches en vrai. Pas du tout. Bah on a fait égalité sur la première manche, c'est-à-dire à 1 gramme près. J'aurais jamais pensé que ça arrive. C'est dingue hein. Deuxième, non. Qu'est-ce qu'il y a les gars ? T'es pas dans le... Ah ok. T'es pas dans l'équation. Allez, manche suivante. Ouais, manche suivante, allez c'est parti. 300 grammes. 300 ? 300 grammes. Ne serait-ce pas le poids de mes couilles peut-être ? Il est dans mon studio lui. Oh, une liasse de billets. Oh, Mein Kampf. En vrai de vrai, j'ai enlevé les piles de la télécommande et du coup je pense qu'elle fait 300 grammes. Peut-être avec une pile en plus, c'est pas mal. Ça, 1 litre, donc 1 kilo. 300 grammes, ce serait un tiers. Donc à peu près ça. Je vais encore taper dans le mille. Ah, c'est dans l'autre sens. Putain, j'ai mis une demi-heure à m'en rendre compte. Ah, ça fait potentiellement... Ah, ça, j'ai l'impression que ça fait 300. Je vais tout lui débrancher. J'ai fait une intoxication à l'eau, arrête, t'es pas habitué. Quoi, tu l'as déjà ? C'est marrant parce que s'il est vraiment très loin du compte, il y a... Ah, c'est vrai. Il y a pas le poids là-dessus ? T'es pas mal là, c'est bien. Ouais, moi ça me paraît bien. Présentation des objets, je suis confiant. 300 grammes devant vos yeux. Plutôt sympa comme technique, j'aime bien, tu vois. Si je le mets, ça rajoute 50 grammes. Si je le mets, on est en 2016. Salut les gens, c'est YouTunes et bienvenue dans cette première. Allez, vos objets. Oui, vas-y. Oh ! Une pile de piles. Ça peut-être, je sais pas. Oh. Là, c'est mon stream deck, ça. Peut-être. Tous tes presets, ils sont morts là. Ça a mis erreur. Oh, mais je suis mort. C'est quasi pareil, hein. Ouais, de fou. Je commence. Vas-y. Pitié, affiche 200 grammes, je t'en supplie.
420 grammes. Oh, on va fumer des chiquets. 420. Ah ouais. Pas mal. Ok. À Théo. Il mettrait combien à lui? À 600. Boum. Mais pourquoi ça paraît plus lourd? Parce que c'est la prise en main, c'est la prise en main. C'est plus petit, genre. C'est plus compact. Jamy, peux-tu nous expliquer pourquoi? En fait, vous ne vous êtes pas fait piéger parce que vous savez que les piles sont plus denses que les composants du clavier, même si la boîte de piles a un volume inférieur à celui du clavier. Mais très souvent, c'est l'inverse qui se produit. Parce qu'un volume est plus important, on considère que l'objet est plus lourd que celui qui est à côté, qui a un volume inférieur. Oh oui, je suis le plus proche, let's go! 384. C'est incroyable ce truc de pression là. T'as vraiment le ressenti, oui, c'est bien plus léger là. Alors que c'est le même poids dans la main. Premier degré, c'est une pression parce que la pression, c'est la taille de l'objet fois le poids. Ouh, ça m'a bien fait chier ça. Ouais. Manche 3! Ok, 7,8 kg. Sa grosse tête qui fait 7,8 kg. Non, c'est trop lourd. Après, on peut faire des packs un peu. Genre là, si je remplis cette valise. Bon, c'est bien plus lourd que 7,8 kg. C'est super dur, sa mère. C'est quoi ça? 1,5 kg. Bah, c'est pas assez. Oh. 5 kg. 6,5. Ça, y a un monde. Non, non, mais non, y a un référentiel de fou là. Bah oui, faut que je trouve un nouveau-né. Donc là, on a 2,5 kg. Donc en fait, les deux, ça fait 7,5 kg. Donc presque 2,8 kg. Il est super lourd, ton nouveau-né. Non, mais un nouveau-né qui est un middle-né, tu vois. Et là, c'est beaucoup plus simple, en fait. Juste à aller dans une quoi, pourquoi non. Je vais à l'hôpital à côté, maternité. Non, tu peux pas faire ça, c'est un enfant, Jordan. Tu peux pas aller chercher un enfant pour le peser pour un concept, ça marche pas, je veux dire. Tu me copies? Comment ça, je te copie? Mais d'où t'as... Mais tu fais... T'as trouvé une alter? Mec. Ouais. J'ai eu une putain de strat. Ah ouais? Un nouveau-né. Ça fait au moins 4 kilos, 3-4 kilos. Tu vas aller chercher un bébé de 4 mois dans une crèche. Ah bien. J'ai les 7,8 kilos qui débarquent dans pas longtemps, là, je veux dire. C'est pas de la peinture, c'est du ciment. Dès qu'on arrive dans la crèche, tu fonces. Tu vas dans le dortoir où ils dorment les bébés. Attends, mais tu me demandes de faire un kidnapping, là? Il faut que je trouve 1 kilo. Une bouteille d'eau. Ça va pas rentrer une bouteille d'eau là-dedans? Non, mais l'eau, oui. Mais non. Bon, je vais aller chercher le nouveau-né, ouais. Moi. Oh là là. Putain, attention, je dois aller chercher le bébé. Excuse-moi, je me suis super mal au bide, mec. Putain, la vache, le mal de bide de fou que je me tape. Oh, tu m'embêtes. Vas-y, mon guetteur. J'ai jamais le temps d'aller à la crèche. Là, on est à 7,5 kg. Il faudrait rajouter 300 grammes. Bon, j'y vais en premier. Vas-y. Ça fait clairement pas 7 kilos. Non. Ça fait 2 ou 3 kilos, ça. Ouais, je pense. Non, franchement, t'es pas loin, mon gars. Ah, t'as tremblé quand tu l'as dit, là. Non. Je montre mon objet. Ouais, vas-y. Ok, c'est un objet un peu mystère. J'ai envie de vous dire plus quand on aura posé. Moi aussi, c'est un objet un peu mystère. Bah, tu sais quoi? Mec, mais ça... J'y crois de ouf. Ah ouais? Moi, j'ai un peu envie d'y croire aussi. On me voit plus, les gars. Non, je suis là. Ah bah, j'y vais en premier. Ça m'a l'air d'être le plus simple si j'y vais en premier. Si je vois 7 kilos, je sais. 2 kilos. 1,8 kg. Moi j'ai vu 18, j'étais en train de me dire comment c'est possible, mais attends, c'est quoi ce délire? 1,8 kg. Évidemment, bah oui. Tu vas ou pas? Ok, attends, juste, on essaie de la faire tenir en équilibre. Attends, elle tient là? 8,235 kg. Putain, je suis pas malin. Selon les mathématiques, je devrais être à peu près bon. Mais c'est vrai que ça me paraît vachement lourd comparé au chargeur. Donc moi 8,2 kg et toi? Il est super lourd son poids. Ouais, mais c'est possible. En fait, c'est juste que ça ressemble plus à une halter et ça me semble... Il est à 7,977 kg. Waouh! J'ai rajouté 1 kg d'eau, ainsi que une halter de 1,5 kg. Putain, c'est pas bête du tout, hein. Donc là, ça va bien déborder, là. Je suis un peu deg, quand même. J'étais fier de ma... Moi, j'étais pas loin, hein. On passe à la prochaine manche. Ouais. 18 kg. On a beaucoup moins d'énergie pour se lever. Ouais, t'as vu, c'est... Il y a un petit débat, il y a un petit débat. On réfléchit, je pense, ouais. Il en reste deux après. Naturellement, qu'est-ce qui fait 18 kg? Un enfant. Bah, un enfant. Mais oui, putain, un enfant. Allez, les gars, allez, on se motive, let's go. C'est parti, 10 minutes, c'est parti. Allez, c'est parti, ok. Ok, j'ai une strat. On va essayer de trouver un chantier et on va leur demander de remplir de gravats. On va choper du gravat dans un sac. Je vois que ça. Ou alors, on va dans une crèche. 18 kg.
10 kilos. Y'a un chien. Y'a un chien. Mec, un chien, ça fait 18 kilos. Tu vas pas prendre un chien. Pourquoi pas? Oui. Ou alors, on enlève le pneu de quelqu'un dans le garage. Parce qu'un pneu, ça doit faire dans les 18 kilos, je pense. Kuzan, est-ce que t'as les clés de ta voiture? Inès, il est là. Parce que s'il y a Ace, il y a moyen en vrai. Ah, c'est là, je crois. J'arrête. J'ai un point de côté. Bah, League of Legends, je joue top. C'est ça. Est-ce que tu connais le poids de Ace en un objet? Mec, Ace, il fait 17 kilos. C'est vrai? En gros, je peux te l'emprunter pour le tournage. Oh, let's go. Non. Arrête, hein. Ok, ça va, j'ai eu peur. Oh, gendarme. Hey, les gars. Oh, les bâtards. Mais il a eu mon Il sort de chez le vétérinaire, on sait combien il pèse. Non, arrête tes conneries. Oh, je suis abattu, c'est une trop bonne idée. C'était mon idée. J'ai eu cette idée et j'ai pas trouvé. Putain, je suis dégoûté. Il m'a fait perdre toute ma confiance en moi. Pourquoi? Je me suis souvenu d'un truc qui faisait 17 kilos que j'avais. C'était mon écran. Le truc, c'est que j'ai changé. Mais l'ancien, il fait 17. Je l'ai donné à mon père. Hibou a exactement le même. Ah, j'y crois un peu. Hein. Ça a l'air bien lourd, cette histoire. Hibou, je suis désolé. Ça? Allez, mais cours plus vite! Dépêche-toi! Non, c'est un film de Quentin Dupieux. Extrêmement confiant. Je suis extrêmement confiant parce que j'ai confiance en Inès qui a confiance en au poids d'Ace. Moi je suis pas confiant et j'ai les mains dégueulasses. On commence par Ace comme ça il est libéré. Donc attends, déjà je me pèse sans Ace. 68.2. Si Ace fait pas loin de 18 kilos, il faut en gros faut tomber sur 86.2. T'es prêt? Vas-y. Let's go. 84,85. Vas-y, on fait une moyenne à 85. 85. Ok, 85, let's go, c'est pas mal. T'es le boss. Ça fait 16,8. 1,2 kg des 18 kilos. Putain, mec. Oh, t'es vraiment à côté, hein. J'arrive avec mon pneu. Ouais, mais il va peut-être rouler, non? 14. Ouais, 14 kilos. 13,9. Pitié que son écran il fasse plus ou beaucoup moins. Ok, les amis, je suis votre référence. 85 aussi. Oh putain, égalité! Égalité! Mais j'ai pété mon crâne, c'est où? J'ai pété mon crâne. Donc littéralement, Ace fait le même poids que cet écran. Ace fait 16,8 kg, l'écran fait 16,8 kg. Bien joué, les gars, moi j'étais pas loin. T'as les mains sales. Ah! Manche 5. C'est la cam qui va découvrir en premier. Et maintenant, nous. 32,7 kg. Ah, j'ai une migraine d'un coup. C'est ouf. Allez les gars, allez. 32,7 kg là. Les gars, j'ai ma strat. On va aller chercher une meuf, on va la couper en deux et on la pose et c'est good. Allez, venez. Pas sûr de la strat de Théo là. C'est parti. Ah mais c'est parti, putain, viens, on y va. Pardon. C'est dingue. C'est dingue. Ça va? Ça va et toi? Attends. 32,7 kg. Viens, on va bouffer juste. En vrai, un petit brunch. T'es sûr que tu vas pas me trahir là? Tous ensemble, non? Yo les petits potes, écoutez, pour un tournage, j'ai besoin de quelqu'un, un maximum de monde au pied du studio. Joker, les gars, s'il vous plaît, n'hésitez pas à venir. J'ai repéré dehors une grosse poubelle. Tu sais, les grosses poubelles grises. On va aller choper cette grosse poubelle, on la restituera après. 32,7 kg? Oui, c'est un enfant. Je trouve un abonné, je vais le ramener dans le sud. Y'a pas de gosse. Là, il faut juste trouver un abonné, c'est bon. Putain, y a, en vrai, de vrai, c'est parfait. Ils arrivent, ils sont là. Le parking. Il est déjà allé au parking, non? Je vais voir si j'ai quelque chose dans ma voiture. Le coffre est vide. Hey! Ça va ou pas? Vous regardez YouTube ou pas? Putain, merde. Ouais. Les gars, vous, c'est bizarre comme question, mais vous pesez combien? Je pense que si je galère autant, c'est que c'est beaucoup plus que 32. 43 kilos. Bah écoutez, passez une bonne journée, je vais essayer de trouver ça. Vas-y, des bisous les gars, à plus, merci. 40 kilos, j'aurais peut-être dû dire oui en vrai. 40 kilos, on le foutait à poil. En vrai, de vrai, 32 kilos, c'est chaud sa mère. Attends, 32 kilos, c'est genre... Un Vélib, ça fait combien? Qu'est-ce qu'ils font là? Accéder à mon compte, comment utiliser Vélib, contacter Vélib. Tu fais pas 32 kilos, mais bref.
Il y a déjà Théodore. Et Jordan aussi. Non. Ici là-bas. Elle est vide, bien sûr que je suis déçu. Putain! C'est mort, Ryan. Le mec, il est au téléphone là. Il a un bébé dans son endo. Non, bon. Excuse-moi. Dis-moi, par hasard, tu pèses combien si c'est pas indiscret? 41. 41? Bon. Ah, merci beaucoup. Amuse-toi bien. Ok, là, je l'ai activé. Peut-être tu mets un numéro et après tu vas payer ici. Ouais, y'a moyen, non? Attends. Une plaque d'égout? Ouais. Service client A. Mais non, c'est le numéro. Putain, je veux juste un vélo. Je passe ma carte Vélib ou Navigo. Putain, j'en ai même pas, je peux même pas t'aider. Je suis perdu, y a rien. Ils ont eu la strat du Vélib. Ils essaient d'en avoir un, ils font un compte et tout, ils l'ont pas. 4 minutes 30. Et Vélib, non, c'est tout Vélib. Putain, mec, tout est là et on ne peut pas. Bon, bah, on va courir. Dans mon bureau, y a quoi qui fait 32,5 kg. Là, je suis juste dépité. Je crois que je vais revenir avec rien. Les tables de pique-nique là. Faut juste avoir de l'assurance. Bonjour, je voulais savoir, les tables qui sont dehors, elles appartiennent à qui? Ah, il faut un badge? Ok, super. Oh tiens, salut! Hello! Oh, vous allez où comme ça? Yo les gars, venez, venez! On est pressé, désolé. Une pompe à vélo est à disposition. Mec, on va pas galérer à monter le vélo? T'as le badge pour ouvrir ça au cas où? Ok, ouais, y'a des vélos. 32 kilos, mec. En vrai, c'est genre ça? Mec, ça, c'est pas mal, non? Ma dernière chance, je sais où elle est. Regarde, ce meuble-là. Mais j'ai peur qu'il fasse 40, 50, tu vois. Donc, ce serait plus celui-ci. Je vois ce que t'as vu. 32,7 kg. Mmh. Ouais, pile poil. Voilà, chacun a amené son petit objet. Vas-y, commence. Vas-y. Je peux me permettre? Ouais, vas-y. Ok. Ah, oula! Ah, ça fait 32 kilos, non? 25 kilos. Pourquoi je suis tremble? Oh, c'est ridicule! C'est ridicule! 18,9 kilos. Gros, tu l'aurais ramené la manche d'avant, c'était parfait. Ok, j'y vais ou... Vas-y. C'est juste toi, ça va être long. kg. Oh, c'est très lourd, hein. Je vais faire arracher par le propriétaire, mais je l'attends après. Aïe. C'est vraiment la merde, hein. Je passe pas. Là, je passe. Ça passe pas. Oh. Je peux pas appuyer sur le bouton. Là, on lâche. Attention, vous soulevez. Vas-y, 1, 2, 3. 50 kilos. Bah du coup, le sien, il est entre nous deux. Ah putain, ouais, il est complètement entre les deux. Il y a moyen de fou. Ok. Vas-y. Là, c'est bon. Allez hop, 30 kilos 9, directement dans le gosier. Oh, je suis content. C'est très très chaud. Et j'ai pas menti quand je disais que j'avais du mal à estimer le poids des choses. Donc à moins qu'on fasse encore une égalité parfaite ou qu'on ait faux, la manche d'après est décisive. Et là c'est ouf parce que j'ai eu un appel des concepteurs de YouTube. Mm-hmm. Ils m'ont dit on double les points sur la dernière manche, c'est mieux pour le watch time. Ah ouais? Ouais. Il y a la PDG de YouTube là qui vient de m'envoyer un message. Ouais, mais tu... Si si. Non. Elle me dit c'est faux. Ah ouais, non. Dernière manche, le poids est de... 87,4 kilos. Ah merde. Putain, 87 kilos, ça va être dur, hein. Ouais. Ça va être une dinguerie, en vrai, les gars. Bah, on vous dit pas, les gars. Allez. Écoute, j'ai une idée. Toute simple. J'attends qu'ils partent, là. Non, mais attends. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu vas où, là? Bah, nulle part. Attends, ouais, il faut que j'appelle Mathieu. Mathieu! Les gars, Mathieu, tu passes combien, Mathieu? Viens voir, Mathieu. Ah, attends, Mathieu, j'ai priorité, j'ai demandé en premier. Attends, non, Mathieu. Il y a une urgence sur une prod, là. Attends, gros, je suis désolé, j'ai demandé en premier. Allô, c'est pour quoi, les services généraux? Mathieu, il y a les services généraux qui m'appellent, là. Mathieu! Ouais. Et toi, Yves? Ça va avec 82. C'est vrai? Ouais. Est-ce que je peux poser un veto de 5 minutes sur toi? Pendant 5 minutes? Pendant 5 minutes? Oui, bien sûr. Oh putain, let's go. On va prendre les bouts, on va juste rajouter quelques poids. Polo?
peux te demander un petit truc ou pas? Ton poids. Ah ouais, je suis désolé là, je peux pas faire plus dedans. Hibou, Hibou, on va te prendre et on va te mettre des objets un peu lourds sur toi. T'es à 82, c'est ça? Dans ma tête, ouais. 82, si on te rajoute un peu de poids, en vrai, on peut vite atteindre 85-86. Hello! Ça va? Est-ce que vous connaissez le poids de vos objets, par hasard? Quel objet? Tous. Toi, t'as dit combien? Je suis à 89, je crois. Je suis sûr que je suis à max 90. Yves, c'est quand la dernière fois que tu t'es pesé? Il y a très longtemps. Tu penses que t'as plus maigri ou plus grossi? Plus grossi. Ok. Je vais pas boucher les vies avec ça. Hello. Ça va? Et toi? Ça va, Sergio? Oui. Tu sais combien pèse ta moto? Je crois que c'est 200. On cherche 87. Et Hibou, il fait combien? Hibou, il est un peu lourd, non? Hibou? Ouais. Ah, tu tombes bien. Bah, Théo m'a déjà pris, désolé. Quoi? T'as dit quoi? Il m'a volé mon monteur. Il reste combien de temps? Allez. Allez, c'est bon. Si tu peux être notre juste poids. Je vous présente Victor. Bonjour. Le juste poids de Théo Baba qui arrive. Let me see ya. Il a ramené une moto aussi. Salut. Ça va? Ah putain, c'est pas mal, ça... Ça pèse. Vous avez pris quoi? Moi je te présente Victor. Comment tu? De chez IDZ. Et moi je te présente Hibou. J'ai bien envie de commencer par Victor pour qu'il puisse retourner travailler. Vas-y, ouais, voulez-vous. Et qu'on le libère de ça. On y va. Vas-y Victor. Taille, tu vas voir le plan des, sur des pieds les plus... Oh, il est pas mal. 90 kilos pile. Ouais. On est vraiment pas mal. Là, il y a plusieurs millions de personnes qui ont vu tes pieds, du coup. Merci beaucoup, Victor. Merci beaucoup. T'assurer, merci. Je propose de libérer Yves, moi aussi, parce que du coup, t'as le pauvre, on lui a volé son écran, et maintenant, on le vole lui-même. Eh bien, Yves, si tu veux prendre place... Je voudrais préciser que j'ai été lesté aussi. Hein. Quoi? J'ai pété un câble. C'est pour suspense, c'est pour suspense. Oh bâtard, tu me gagnes. Let's go. Tu passes à 600 grammes. Oui. À 600 grammes. Oui. Si tu l'avais pas lesté, c'était bon. Attends. Gros, tu me bats de 600 grammes, je suis abattu. Donc déjà, j'ai perdu. Oui, déjà. Maintenant. Ça se joue entre vous. Est-ce que ce scooter... Il a déjà pété à l'avant. Ouais, j'ai pété. C'est filmé? Oui. C'est tombé? Hugo qui rigole mais pleure au fond. Je le vois dans le rire, il était comme ça. Ah yes. Oh putain, tu gères. 80. Attendez, 80 kilos de... Let's go! J'en fais des caisses. T'en fais des caisses. Et t'avais lesté Hibou et tu n'aurais pas dû lesté Hibou. C'est vrai. Bravo Théo. Bah merci les gars. Bravo Théo. Est-ce qu'on ferait pas une dernière manche là? Non, c'est pas... Une 200 kilos. Ah non. Non mais épisode 2, si ça vous a chauffé, dites-le dans les commentaires et on fera 2 tonnes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle... Une nouvelle double tchao? C'est pas possible en fait. Parce...